plus, pète le plus. Nom puissant de sa prière. Amen. Tout pouvoir. Assigné pour attaquer mon prière. Assigné pour attaquer ma prière. Pouvoir. Qui bloque le souci de mon prière. Qui bloque le souci de ma prière. Pouvoir. Qui bloque le souci de mon prière. Assemblée et l'union des ténèbres. Assemblée de l'union des ténèbres. Qui attaque la résistance de mon prière. Qui attaque la résistance de ma prière. Qui attaque la gloire de ma prière. Qui attaque la gloire de ma prière. Qui attaque le don agréable de mon prière. Qui attaque le don agréable de ma prière. À partir de maintenant. Tout pouvoir territorial qui attaque les vrais enfants de Dieu dans cette vie. Pouvoir territorial. Assigné pour éteindre le vrai évangile de Jésus-Christ dans cette vie. Assigné pour disgracer les vrais enfants de Dieu dans cette vie. Assigné pour disgracer les vrais enfants de Dieu dans cette vie. Vous êtes en train,
Jesus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Tout à terre. Tout à terre. Tu as bu le sang. Tu as bu le sang. Tout à terre. Tout à terre. Tu as bu le sang. Tu as bu le sang. À cause de moi. À cause de moi. Tout à terre. Tout à terre. Tout à terre. Tout à terre. Tu as bu le sang. 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 Tu as pris. Tu as pris. Tu as. Tu as bu l'alcool. Vous me détruisez. Vous me disgracez. Vous me disgracez. Vous me disgracez. Vous t'amenez ma vie. Vous t'amenez ma vie. Vous t'amenez ma vie. Vous t'amenez ma joie. Vous t'amenez ma joie. Vous t'amenez ma bénédiction. Vous t'amenez ma meilleure. Vous t'amenez mon avancement dans le Seigneur. Tu es un bâtiment. Pour mettre ordre dans ma vie.
attaquer ma famille. Vous n'allez pas attaquer ma douceur et mon appel. À partir de maintenant, sors de Suisse, sors de Suisse, sors de Suisse. Que vous êtes prêts. Que tu ne connaisses de Suisse. Que tu ne connaisses de Suisse. Que tu ne connaisses de Suisse. Que tu sais faire. Détruis, tout ça nous concerne dans le sang de Jésus. Elle est à tout dans le sang de Jésus. Le Seigneur de Jésus vient nous conduire dans cette prière. Allez-y avec nous. C'est le jour de prière, Seigneur de Jésus, viens nous fortifier. Fortifie le Seigneur de Jésus. Conduis le Seigneur de Jésus. Seigneur de Jésus, ouvre tout ce qui est caché. Seigneur de Jésus, ouvre et conduis-nous. Fortifie-nous. Que ton nom soit glorifié. À la fin de tout, Seigneur de Jésus, que toute gloire revient à toi. Au nom puissant de Jésus, la prière. Amen. Au nom puissant de Jésus, la prière. Amen. 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 On va toucher un peu quelque chose avant de continuer. Alléluia. D'abord, nous sommes dans le moins 8. Alléluia. On vient de finir le moins 16. Le moins de perfection. Et après la perfection, c'est le commencement. Alléluia. Ça que j'aimerais de vous dire, c'est régénérer, c'est ça, non? Régénérer. Alléluia. Les choses vont commencer à fraîche. Amen. Parce que quoi? Huit. Le temps de Noé, on a vu la vie de Noé. Ils sont combien? Huit. Le huit là, allez, il commence. Après que quatre a détruit toute cette génération. Huit. C'est le commencement. De régénérer. Alléluia. Amen. Et dans la vie de Jésus-Christ aussi, après l'appel qu'il a ressuscité le premier jour de la semaine. Alléluia. Qui a dit que le premier jour là, plus le septième jour là, c'est huit. Alléluia. Après la crucifixion, il a régénéré. Alléluia. Il a régénéré. Il a ressuscité. Le commencement. Alléluia. Après la destruction, il a détruit le péché. Il a pris la puissance du péché. Alléluia. Il a pris l'autorité sur le diable. Et toute chose doit recommencer. Alléluia. C'est cela qu'il a ressuscité le premier jour du nouveau sermon. Et ce premier jour-là, vous ajoutez ça. Le sept jour de semaine qui a été crucifié, c'est 8. Alléluia. C'est ça que 8 signifie. On va prier. On va prier. Notre message aujourd'hui, c'est il dit, alléluia. Dieu détruit toutes choses difficiles, problèmes difficiles. Dans notre croisade, on a vu notre papa, il a parlé de chose. Et après, Dieu m'a donné encore une révélation pour aller encore profondeur. Alléluia. Chose difficile. Chose qui me soupire des années. Problème qui ne veut pas me laisser. Problème qui ne veut pas me laisser. La Bible dit, quand le monde entend le péché, dans le péché, qu'est-ce que Dieu regarde, qu'est-ce qu'il veut faire? Et Dieu lui a amené une solution. Et cette solution, il a éliminé toutes les choses. Il a taillé la difficulté dans la vie de l'homme. Seulement les gens qui ne voulaient pas accrocher à cette décision de Dieu. C'est les gens qui vont continuer dans la souffrance, mais jusqu'à à l'enfer. Ma prière que ça ne devait pas être pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc on va lever notre mouvement avant de prier. 8, nous sommes dans le mois de 8. 2018. On a raté dans le mois de 8. Aujourd'hui aussi, c'est le premier.
On va lever notre voix. Appelle-toi. Quel genre de choses qui est difficile? Quel genre de problème qui est difficile? Quelles choses qui ont été troublées ma vie depuis des années? J'ai commencé janvier jusqu'à juillet 31. Maintenant, j'ai rentré le premier jour de 8. Appelle-toi qui disgrâce, qui détruit les choses difficiles. Levez la voix. Par la voix de Dieu, par la
song. That is our song. Let it our song. Let it our song. Let it our song. I'm a father. I'm a son of this church. I'm a son of this church. I'm a son of this church. Let it our life be our song. Let it our song. Deal with us, man. Deal with me. Deal with me. Deal with me. Yeah. Replay my vie. Replay my vie. Mon témoignage. Mon mirage. Ma joie. Merci Seigneur. Jérémie. Livre de Jérémie. 32. Alléluia. Il y a rien parce que c'est lui qui a créé tout. Continue. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants. Après eux, tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Continue. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Alléluia. Notez là-bas, on se garde là-bas. On va le 19 là. On continue. Il rend tout. Mauvais et le bon. Tout ça que les gens font, il rend tout. Alléluia. Continue. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Ça veut dire que cette puissance qui a fait le miracle et le prodige dans l'Égypte, il appelle que nous sommes dans notre Égypte aujourd'hui. Il dit jusqu'à ce jour. Cette puissance va nous tous localiser ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Il va faire le signe et le prodige aussi dans notre Amen. Vie. Alléluia. Amen. Amen. Continue. Et en Israël et parmi les hommes. Et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Amen. Continue jusqu'à 22. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël. Avec des miracles et des prodiges. À main forte, à bras étendus. Toute l'Égypte qui nous a fermés, Dieu va nous faire sortir ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Continue. Et avec une grande terreur.
Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner. Pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Et maintenant, ils veulent quoi? Ils sont venus et ils ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont point fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Alléluia. Amen. Bien, bien. Toutes choses que nous on parle, on a dit de passer, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Pour la puissance de Dieu, Dieu qui fait des choses impossibles, des choses terribles. Le miracle, je vais vous dire quelque chose, Dieu ne rentre pas dans l'affaire de tête, dans les choses, si ce n'est pas encore arrivé un point que toute foi et toute chose, l'argent est perdu, tout est perdu. Alléluia. Quand on voulait connaître notre Dieu, le temps que Dieu il rentre sur le 0R, 0R, Dieu de puissance, c'est pour cela qu'il est Dieu qui fait les choses difficiles. Des choses que tout le monde déjà dit que ce n'est pas impossible. Tout le monde, quand ils ont déjà commencé à parler négatif, c'est le temps que notre Dieu, le Dieu que nous ensemble, Dieu est Israël, c'est le temps qu'il descend avec sa voix, si on le reconnaît. Si cette jeune, on le reconnaît. Si cette église le reconnaît. Si cette personne reconnaît Dieu, il reste et attrape Dieu, c'est le temps que Dieu va manifester et dit, fait comprendre que Jésus dit que il y a rien qui est impossible avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous a fait comprendre qu'il y a quelque chose dit by his power that made heaven and earth. Il dit par sa puissance, parce que quel problème dans le monde là qui peut expliquer comment Dieu a créé le ciel et la terre? Il n'y a pas. Donc c'est la puissance qui te passe tout. Quelle puissance qui peut expliquer? Quel diable? Quel Satan qui peut expliquer comment est-ce que la terre est créée? C'est impossible. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui connaît tout ça. La deuxième chose, c'est by the great power of God, visit my difficult situation. Par sa puissance qu'on ne peut pas expliquer, il visite notre situation. Les enfants de Dieu étaient capturés. Pharaon n'a pas jamais pensé que les gens là, il y a quelqu'un qui va les libérer. Si on part dans le monde, Pharaon n'a pas jamais, Égypte n'a pas jamais accepté qu'il y a une puissance impossible, une puissance très forte, plus finie, qui peut libérer ces gens. Mais Dieu qui a créé tout, il a libéré, dit Pharaon qui est. C'est le temps de laisser mon peuple partir. Alléluia. Tout pharaon qui nous trouve, aujourd'hui Dieu va aller, il va aller visiter le nom de Jésus-Christ. Tout pharaon qui nous trouve, Dieu va aller visiter le nom de Jésus-Christ. Tout pharaon qui trouve ma vie, depuis, c'était oui, signifiait le moins de recommencer, récupérer, régénérer. Dieu, il va visiter cet pharaon au nom de Jésus-Christ. Cet pharaon, il va me libérer de notre espèce. Il va me libérer de notre espèce. Il va me libérer de notre espèce. Cet pharaon, il va me libérer. Il va me libérer. Parce que la puissance qui dépasse la puissance, il va me trouver tout ce que l'on a de notre espèce. Il va me trouver dans notre espèce. Au nom puissant de Jésus à vos prières. Amen. Le conseil dit God stretch out his hand to deliver us. Dieu, il a sorti avec son bras pour nous libérer. Dieu il va localiser. Pour nous parler, nous c'est attaché, bloqué, lié dans quelque chose, dans un endroit, dans le ténèbre, dans le coffre, dans le terre. Mais la main de Dieu, la Bible dit jusqu'à aujourd'hui, la main de Dieu qui a libéré les enfants de Dieu, qui a libéré les yeux de Dieu, nous sommes les yeux de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ et adoptés, et nous on a revenu fils de Dieu. Alléluia. La main de Dieu, il va localiser cette situation. Il va localiser partout là où nous sommes liés. Liés les enfants de Dieu. Attention les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, quand on le cache. Alléluia. Et priez,
ça ne fait rien de marche pas. Mais après, je vais vous montrer encore le secret. Le secret pour provoquer Dieu. Le secret qui peut faire Dieu. La puissance qui détruit toutes choses que l'ennemi pense que ce n'est pas possible. Allez, je vais vous montrer. Comme ça, on va prendre la puissance pour entrer dans cette prière. Allez, on va recevoir la puissance pour rentrer dans ce combat. Parce que on n'était pas en combat contre le diable. Alors que on a dit, vous avez fait une ouverture, il a dit. Alors, avant que, quand Dieu a fini tout cet miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont laissés Dieu. Ils ont dit Dieu, va là-bas. La Bible dit, Dieu dit, ah, il dit, parce qu'à cause de ça, parce qu'elle m'avait laissé, que moi-même aussi j'avais laissé tout le malheur. Alléluia. C'est pour cela que Dieu laissait tout le problème que vous avez dessus. Parce que Dieu, il nous a créés, il nous a amenés dans le monde là. La bénédiction que Dieu nous a amenés dans le monde là, c'est pour sauve Dieu. Sauve-moi. Même si ton parrain n'est pas correct, toi-même, tu peux décider de choisir ton chemin. Parce que c'est pas toi avec ton parrain, vous êtes vraiment, vous avez vraiment rencontré vous-même dans le monde là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais la personne qui a fait ça, il demande de sauve-moi. Laisse la paix de tes parents. S'ils sont sataniques, s'ils sont fétiches, s'ils sont issus de traditionnels, s'ils sont hypocrites, sous-moi, que ta vie sera bien. Alléluia. Comme ça, tu m'appelles pour les choses difficiles, je descends. Parce que c'est sous Dieu qui détruit les choses difficiles. Qui brise les forteresses de ténèbres. Qui renverse les forteresses. Qui rentre là où personne ne va rentrer. C'est moi Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Dans le verset. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le verset 9, 19. Il y a quelque chose là-bas. Verset 19. Great in counsel and mighty in war. For thine eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways, and according to the fruit of his doings. Oh, they don't end. That do the message, God. Do the ministry. Dieu qui nous fait, quand les gens disent que Dieu me même, l'Esprit, c'est mon amour. Ce qui est important, c'est est-ce que tu fais aussi ça que de ce cela il demande? Parce que il te même. Ah, il y a la colère de Dieu. Hein? Tu ne peux pas. Quand Dieu est fâché, la personne va trouver lui-même un endroit très dangereux. Alléluia. Il aime, mais il est aussi dangereux. Il va te même quand tu fais sa volonté. Il va te même quand tu marches dans son commandement. Alléluia. C'est le temps que toi, avec lui, vous êtes dans la compte. Mais quand tu vas te faire comme tu veux, il y a le problème. Il dit ici, il a fait tout ça, mais il dit, il est aussi, son Dieu, il est à gauche, à droite, il regarde tout ça qui passe. Tout ce qui a fait le mal, il dit, il va te récompenser avec ça. Alléluia. C'est pour cela que la prière, les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est pas, on connaît déjà. Les gens qui sont dit qu'ils sont chrétiens, c'est pour cela que la prière ne peut pas même tuer le moustique. Alléluia. Les prières ne passent pas dans les chambres. Alléluia. Parce que quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis la loi de Dieu? Est-ce que tu marches dans la loi de Dieu? Est-ce que tu vis dans la loi de Dieu? Est-ce que tu obéis Dieu? Oui, c'est très bon dans notre bouche. Dieu même. Très très facile. Très très facile. Mais est-ce que c'est très très facile d'obéir Dieu? C'est là qu'on va trouver la personne qui dit que Dieu m'aime. Si c'est très très bon, si c'est facile pour obéir Dieu, si c'est bon pour obéir la loi de Dieu. Et donc, on va voir quelque chose
dans le livre de Galates. Comment toi il paye? Comment toi il fait les choses? Comment Dieu est là? Il a toujours quelque chose pour justifier ça qu'il parle. Galates 6, verset 7. Est-ce qu'il a dit là-bas? Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ou pas tromper toi-même. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas manquer de. Ou pas lui manquer. Il est très dangereux. Alléluia. Ou pas manquer. Ou pas jouer avec lui. Ou pas jouer. Parce que quoi? Dis-moi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout ce que tu as semé, secret, ouvert, tu vas récolter tout. Complète. Alléluia. C'est ça qu'il nous a dit dans Jérémie là aussi. Il paye, il donne tout le monde son salaire, c'est ça non? Il donne tout le monde son salaire. C'est ça que tu as payé tout. Dieu qui fait les choses difficiles pour nous visiter ce soir, on doit repentir et demander au Seigneur. Alléluia. Parce que chaque fois que Israël et Dieu font les choses qui n'ont pas bien, quand ils sont, s'il y a un prophète qui vient et dit que vous serez dans les règles, vous retournez, sinon, je ne vais pas vous résoudre. Il va immédiatement commencer de pleurer et retourner, appelle Dieu. Et c'est ça qui fait Dieu, il descend, il vient faire quelque chose, des choses impossibles. Alléluia. Ce soir, Dieu va nous visiter au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous dit toujours que le problème des chrétiens aujourd'hui, qu'il n'y a pas le message, il n'y a pas beaucoup de pasteurs, beaucoup de renseignements, ils sont tous perdus. Manger, faire le pas avec le diable. En train de prêcher le message sucré. La Bible dit, Isaïe 58, dis mon pire pour les péchés. Criez comme le trompette, dis-les les péchés. Fais mon pire pour les retourner à moi. Ça, c'est le message qui plaît Dieu. Fais mon pire pour que mon pire pour retourner à moi-même. Alléluia. Je veux la réconciliation. Je suis toujours de réconciliation. Si mon pire vraiment il va reconnaître les péchés et retourner à moi, je suis prêt pour les recevoir. Et il y a là, je vais le vivre et les libérer. C'est le temps que vous m'avez payé pour les choses difficiles. Avec le feu. Parce que c'est moi qui ai créé Dieu. Le ciel et la terre, c'est moi qui ai créé ça. La puissance qui a créé ça, qui peut expliquer? Est-ce que ce problème même peut expliquer la puissance qui a créé le ciel et la terre? Ne peut pas. Dis mon peuple la vérité, que mon peuple sort, que mon peuple reconnaît les péchés, que mon peuple demande le pardon. Comme ça, si vous m'appelez, il vient. C'est ça qui est le problème. Tout, il dit tout chose que nous, on se met, on va, il dit, on ne peut pas tromper toi-même, on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper, jamais tu ne peux pas tromper Dieu-même. Mais nous, on a fait tromper nous-mêmes. On ne peut pas tromper toi-même. Et mon serviteur, dis mon peuple, c'est là que nous tous nous sommes dans les rêves. Le serviteur, le savant de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a dit de dire? Rien. Le message est secret. Alléluia. Le message secret. Il n'y a pas le message qui ramène les enfants de Dieu, qui fait les enfants de Dieu d'avoir peur de péché, peur de péché. Il n'y a pas. Le message de Dieu, c'est Dieu de l'amour. Il ne veut pas me détruire. Ah! Ne manque pas avec Dieu, il est très dangereux. C'est Dieu de destruction. Alléluia. C'est Dieu de destruction. Il reconstruit, il détruit. Alléluia. On a vu la prophétie de 8. On a vu le 8, le numéro 8. Cette prophétie, c'est qu'il a détruit et il a reconstruit aussi avec les 8 personnes. Alléluia. Il a régénéré. Il a éliminé, effacé ce monde complet. Il a pris le 8 pour recommencer. Dieu n'importe qui, qui jouait et s'amusait avec l'ordinance de Dieu. Dieu il a l'ordinance. Et je vous dis, on a déjà vu beaucoup de messages, c'est par la grâce de Dieu.
On a beaucoup de messages maintenant dans les YouTube et il y a beaucoup de réponses. C'est pas parce que nous sommes là et c'est parce que c'est dit avec nous. Les gens qui répondent au nom du message sont trop. Ils sont trop. Partout le monde, ils sont trop. Dans notre bazar, quand même, il y a une autre soeur qui est venue à cause de message qu'il a écouté dans le YouTube. À cause de comment je communique avec lui, comme d'habitude, je suis venu à la voisine pour voir le pasteur là qui prêche là face à face. Alléluia. Et nous le fortifions dans le Jésus-Christ. Et nous le fortifions. Et nous le fortifions. C'est comme ça. Il y a beaucoup, à l'Afrique, il y a beaucoup. Je reçois le email. Je reçois même l'appel. Alléluia. Pour m'encourager. C'est pas pour prendre n'importe quel message, même dans le YouTube. Si le message n'est pas qualifié, même, Dr. Lugo, il va élever ce message. Alléluia. Ne tirez pas n'importe quel message avec le nom de MFM. MFM, c'est pas n'importe quelle église. C'est pas n'importe quelle église. Tu veux n'importe. Si cet message n'est pas classifié pour sauver la vie, pour réaliser les gens, jamais. Et nous le fortifions dans le Jésus-Christ. Amen. Nous le fortifions. Et nous le fortifions parce qu'il y a des choses qui sont en train de passer. Vous savez qu'il nous a dit quelque chose. Il y a quelque chose que le docteur nous a dit. Quand on a fait faire la réunion, le pasteur et le ministère, il a dit quoi? Quand la personne, on lui a posé la question de la fin de la femme. Les femmes. Quand on lui a posé cette question, la même chose. Les femmes aussi. Les femmes problèmes. La personne qui a posé la question, c'est un pasteur aussi, femme. Il a parlé de problème de pasteur, une femme pasteur ou une femme ministère. Qui ne veut pas laisser les choses de Mami Wata. Alléluia. Que Dieu l'aide dans le Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui nous a dit là-bas. Il y a même quelque chose. Et moi, j'ai vu la Bible dire ça, mais des fois, je regarde. Je vous dis, première chose d'abord. La délivrance, on a pu le faire ici. Je vous dis toujours que ce n'est pas comme ça qu'il va faire de la délivrance. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu as un pasteur, le problème est que le pasteur ne réserve pas les gens très bien. Parce que tu ne veux pas être un ministère ou un pasteur. Tu as encore donc l'affaire là. Oh, non, ça veut dire que tu n'es pas bien renseigné. Ou tu ne comprends pas. Et il a dit quoi? Il y a des autres qui renseignent les gens qui disent que c'est doctrine de MFM. C'est pas doctrine de MFM. Il a dit, c'est pas MFM, il n'est pas le doctrine. Le doctrine de MFM, c'est la Bible. Le MFM n'est pas le doctrine. Toutes les choses là, du jour et toutes les choses là, le pardon, c'est la Bible qui a condamné ça. C'est ça que MFM a dit dessus. MFM n'est pas un doctrine personnel ou pride. Non. Ça que MFM là, c'est moi, c'est alliance. Comme tu as dit, faire alliance avec tout son serviteur depuis la Bible. Alléluia. Et il a dit quoi? Il a dit, toi qui fais la délivrance, c'est la première chose. Quelqu'un vient faire la délivrance, ou il vient dans la délivrance, tu n'es pas resté la personne, que la personne doit, elle est soit, tu ne peux pas, mais ça, et tu dois lui montrer la Bible, là, et tout, c'est écrit, c'est pas le doctrine de MFM, montrer. Et si tu n'as pas fait ça, la personne vient faire la délivrance, et toi, au passant aussi, vient faire la délivrance de la personne, et vous devez faire de perdre votre temps. Vous avez de perdre votre temps. Et c'est la vérité qui est très pure et claire. Parce que Josué 7:13 nous a dit, tu ne peux pas gagner ce combat avec le propriété de diable. Il y a quelque chose qui est détesté, qui ne peut pas vous aider de gagner ce combat. Dégage ça au milieu de vous, si vous voulez gagner votre ennemi. Alléluia. Et nous aide dans le Jésus-Christ. C'est ça. C'est pas pour aller faire la délivrance, comme notre soeur, il m'a expliqué. Tu as parti faire la délivrance, mais on ne lui a pas expliqué rien. Il a rentré sur le monde, on a prié, comment se faire la prière. Oui, normalement, on doit te expliquer. On doit te expliquer les choses. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu as fait de faire. Comment tu dois faire ça? Il y a la règle de délivrance. C'est ça, non? La règle de délivrance. Dégage les choses que tu as prié, que ta délivrance soit effective.
et marcher aussi dans la obéissance. C'est pas après cette délivrance, tu vas encore prendre le property du diable et tu vas rester quelque part. Ah, je vous dis, ici là, c'est. Quand tu as fini de faire ça, le démon là, il est devant, il est d'attendre, il est de faire le bébé comme ça, fini. Ils sont vraiment bien chassés d'hommes dans ça. Il n'y a pas de problème. Dieu, on ne l'a pas là-bas, mais on va l'attendre des hommes. Mais s'il laisse, il n'y a pas de problème. Mais s'il retourne, bon. Ok, moi, je vais l'attendre à la maison. Parce qu'il y a encore la part à la maison. On n'est pas trompé, mais c'est la Bible que nous, on a fait des bruits. On va nous appeler, quand tu veux, non, à insulter. Oui, c'est normal, c'est comme ça, ils sont dit faire à notre Seigneur Jésus-Christ. Après qu'ils ont fait tout ça, il est où maintenant? Il est dans son bois. C'est comme ça aussi. Après qu'ils ont fini, il va faire tout contre nous. Après, on va le trouver dans notre bois. Et il va regretter. C'est comme ça. Frères, Égypte, la Bible dit là, on a dit là, il a fait son peuple sortir en Égypte. Je vous dis, toutes les choses là sont le propriété de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Et le monde, on doit dégager. Si on voulait qu'on appelle Dieu qui fait grand chose. Dieu qui détruit les choses difficiles. Dieu qui élimine les choses difficiles. Si on voulait qu'il marche dans notre vie, dégage-vous. Laissez les choses de l'Égypte. Mais on ne veut pas laisser. Des fois, ça me fait rire. Ça me fait rire. Le pasteur n'a pas dit, amène-moi ça, apportez-moi ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. J'ai dit les gens, ok, regardez, les gens ils sont dans MFM. Tu es dans MFM. Celui qui a l'alliance, que Dieu a donné l'alliance, donc on le voit. Il a le mariage, il a fait le mariage, non? Est-ce que parce qu'on l'a vu avec le bac? T'es pas là. Ça doit nous poser la question pour demander que, pourquoi Dr. Luko n'est pas. Pourquoi les autres pasteurs qui sont suivis avec lui, vous n'allez pas voir le correct, un enfant de Dieu qui connaît la vérité là, n'est-ce pas? Pourquoi il n'est pas? Alléluia. Ça, c'est la question. Le jour-là, on a parti voir pasteur Paulia avec la soeur Linda. Ils sont fait le mariage. Si vous avez vu le bac, ça c'est aussi une autre église. Ce n'est pas un effet pour vous. Toute l'église, la vraie église de Jésus-Christ, vraie église, vous ne pouvez pas voir les choses comme ça. Maintenant, tu dis que tu es dans cette église et tu pries, tu veux le Dieu de cette église, Dieu de cette alliance, que Dieu l'a te visite. Comment Dieu l'a te visité? Tu n'es pas dans l'obéissance. Dieu l'a ne peut pas venir te visiter parce que tu as refusé son ordinance. Alléluia. Tu vas prier. Il ne vient pas parce qu'il a son alliance avec cette église. Et il a son alliance avec cette monsieur. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça que notre Dieu il est. On doit connaître. Ça là, c'est la Bible. Il a dit, jetez-vous tous les vies des pharisiens. Les vies des pharisiens, c'est le faux doctrine. Pourquoi on ne veut pas les laisser? Pourquoi on veut qu'on continue de prier et provoquer le démon? Alléluia. Pourquoi on continue de provoquer le démon? Provoquer le démon, provoquer le diable. Dieu dit, obéis-moi. Fais ça que je demande. Quand ça, tu m'appelles, et dis ça avec le feu. Jésus, Dieu qui consomme avec le feu. Soyez-vous propres. Dégagez-vous. Dégage-vous toutes les choses que vous ne voulez pas. Dégage-vous tout. Dégage-vous. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il doit le fortifier dans notre Jésus-Christ. Il doit le fortifier. Et encore, il a continué. Regardez-vous dans le Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste après. Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Car il y en a plusieurs. Il dit, soyez-vous le modèle sous moi. Amen. Tous les vrais
enfants de Dieu, tous ceux qui prêchent la vérité là, vous devez sourd. Il y a le message qui est dans ton cas, il dit, soumettez vous les femmes de voir parler, vous ne voyez pas ma femme. Vous ne voyez pas comment ma femme il est. Est-ce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter des choses là? Mais la Bible dit non. Pour Israël, il dit. Le problème, c'est que on ne suit pas Israël de Dieu. Tout ça qui désobéit Dieu ne suit pas Israël de Dieu. Israël de Dieu, il y a l'ordinance qu'ils sont en train de suivre. Parce que chrétien signifie séparé, groupe de peuple, appel par Dieu et séparé et gouverneur par la loi divine. La loi divine, là, c'est ça qu'on a tous la main. Continue, maman, il y a quelque chose qui se met toi là-bas. Car il en est plusieurs qui marchent en eux demi à la fois. Vous l'avez non? Les gens qui nous ont déjà renseigné le fond d'autrui là, la Bible dit sont ennemis de la croix de Jésus-Christ. Ennemis de la croix de Jésus-Christ. Changez le message de Jésus-Christ. Prêche autre chose. Prêche n'importe quel diable message. Tournez la Bible. Renversez la Bible. Ennemi de la croix. Et continue. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il pleure maintenant. Il a dit de pleurer. Tout ça qu'il a dit de faire ici. Il a dit de pleurer parce que tous les vrais enfants de Dieu, tout le monde de Dieu qui parle la vérité, il pleure parce qu'il voit le danger qui est devant tous les enfants de désobéissance. Voit le danger. Il a dit de pleurer. Échappez-vous le danger. Échappez-vous le danger. Échappez-vous. Le docteur a dit, quand il va arriver, il revient, il va nous renseigner. Il dit, le commencement de cette affaire de bijoux et tout ça là, comment ça a été rentré, comment s'est commencé le danger du don et la termination du don. Vous comprenez? Et vous montrez tout partout que selon la Bible. Et les femmes. Et donc, elle. Continue, maman. Et dit quoi? Leur fin sera la perdition. Leur fin, c'est destruction. Amen. Les limites de la croix. Dieu a dit que tu l'as vu, tu dis aux enfants, ça ne fait rien. Et tu dis, tu fais la délivrance. La délivrance avec le mani water. Avec la délivrance avec les choses que Dieu ne fait pas tout. La délivrance de toutes choses que Dieu a condamnées dans la Bible. Tu lui dis, fais la délivrance. Tout cela, c'est faux. Ça, c'est le dimanche, il va faire, il change le monde, le système. Il n'est pas parti. Il va partir à nous. Alléluia. Tu as encore son propre parti. Tu refuses l'ordinance de Dieu. Continue. Il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Alléluia. Ils ne pensent pas. C'est déjà l'ennemi de la gloire. Ça, c'est ça que je disais, c'est leur vendre. Pour manger, pour être riche, pour être populaire, pour être le meilleur prédicateur. Rappelle qu'il nous a dit aussi, il nous a dit aussi, le diable, rappelez-vous, c'est ça que tous les enfants de Dieu ne connaissent pas. C'est ça que tous les gens qui font un poste comme l'église ne connaissent pas. C'est ça que tous les gens qui disent que son nom de Dieu ne connaissent pas. Rappelez-vous que le diable, c'est le meilleur prédicateur. Le meilleur prédicateur. Tout ça, ce qu'on fait dans l'église, le diable, c'est le meilleur. Mais ça qu'il ne veut pas faire, c'est la prière. C'est ça que la prière, c'est ça qui est disgracé. L'église, l'enfant de Dieu, qui ne rentre pas dans la colère. La prière agressive, ce n'est pas le genre de prière que les autres prient. Il y a la prière, qui circule le ténèbre. Il y a la prière qui libère. Il libère, la prière qui rentre dans le ténèbre. Si c'est quelqu'un qu'on a demandé pour aller libérer, quand il rentre là-bas, il va libérer tous les gens qui sont là-bas, qui sont liés là-bas. Allez. Peut-être qu'on a fait des prières à cause de quelqu'un. Mais quand cette prière va rentrer là-bas, tout ce qui est en chien là-bas, il va les libérer. C'est ce genre de prière
et le diable n'est même pas. Alléluia. Par la prière, le nom du Père, 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 c'est pour nous commencer pour adorer le Seigneur, où il est aussi, le temps qu'il devait rentrer dans la Bible, regardez, il est aussi, le temps que le Seigneur va me visiter pour me donner le message. Si c'est une heure, je ne prêche pas. Si vous n'êtes pas prêt à écouter la parole de Dieu, n'accepte pas cette invitation. Alléluia. Ça, c'est pas une invitation. Et le temps qu'il va rentrer, avant de chanter, une chanson même va lui faire de rentrer dans l'esprit. Il peut même prendre 30 minutes pour la louange et l'adoration. Mais combien de minutes maintenant il va juste pour prier pour, il va aussi prier. Après maintenant, il va rentrer dans l'esprit. Après maintenant, il va rentrer maintenant dans la délivrance. Alléluia. Donc combien de minutes? Alléluia. Les gens disent qu'on on prend le temps. Oui! Ça, c'est l'église qui explique la parole de Dieu, détail, elle par elle. Pour que les yeux, les écailles dans la vie des enfants de Dieu ouvrent et ça tombe. Et tout le monde reçoit les libérations. La première libération qu'on reçoit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Reçoit la parole de Dieu pour libérer. Parce qu'il a dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole est libérée. Alléluia. C'est pas un drame. Dieu il connaît son peuple, il connaît ses enfants. On est, les enfants de Dieu n'est pas beaucoup. Je vous dis toujours, dans cette vie, peut-être même 10. 10 dans cette vie. Parce qu'il y a le pays même que Dieu, il n'y a pas même un enfant de Dieu. Il y a le pays dans le monde là, il n'y a pas même un. Il n'y a pas un qui a qualifié pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas, mais il y a beaucoup d'églises là-bas, mais il n'y a pas un. Ils sont tous bloqués les oreilles et jamais. Ne change pas. Et il prie. Et il prend et dit c'est la délivrance. Quel genre de délivrance? Que nous le devant Jésus-Christ. Tu laisses le message de les gens qui l'ennemi de la croix. Ennemi de la croix. Il dit que tout, ça, c'est bien. Tout c'est bien. Il faut aller, il faut faire tout. Ah, que nous le devant Jésus-Christ. Que nous le aide. Que nous le délivre dans Jésus-Christ. Donc, la dernière fois, on a parlé quelque chose. Dans la désobéissance, il y a quelque chose encore de nous avoir parlé avant de rentrer dans notre prière. On ne croit pas, la Bible vous dit là, il dit dans le 23, Jérémie 31, la 23, il dit, parce que vous avez laissé ma loi, détruit ma loi. Laissé, il dit, ordonnance que vous a donné. Aujourd'hui, là, la dernière fois, s'il vous plaît, on regarde, on écoute ce message. Répandez l'attitude sataniste et le dit. Parce que partout maintenant, le diable, cet ennemi de la croix, il soit encore rentré très fort pour détruire la loi de Dieu. Quelle est la fonction dans le stress? On a déjà vu ça dans le nombre 18. Je vous dis, va aller lire là-bas bien. Ça, c'est là que tu as établi la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, si tu dis cette loi, c'est perpétuée. Ça veut dire que c'est une loi irrévocable. Personne ne doit pas toucher cette loi. C'est irrévocable. Et il a dit quoi? C'est pour Israël de Dieu. C'est pour cela que je vous dis que les gens qui discutent avec nous disent, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Toute la loi de Dieu, la loi qui est là, c'est pour les enfants de Dieu, Israël de Dieu. Chaque fois qu'il fait cette loi, il dit c'est pour les enfants, c'est pour Israël. Et tout ce qui est Israël de Dieu ne discute pas la loi de Dieu. Nombre 18, c'est bien. Tout ce qui concerne le dîme, c'est expliqué là-bas. Jusqu'à toi aussi, le savant, comment ça, le salut de Dieu, le sacrificateur, comment tu vas utiliser le dîme là, et tu ne dois pas utiliser ça n'importe quoi. Alléluia. C'est la loi que Dieu a établie pour garder son maison, pour voir que son homme, sa France. Il a dit, Lévi ne doit pas faire, Lévi n'est pas une possession, leur possession c'est vraiment ma maison. Pour travailler, c'est pour ça que tout le vrai appel, le vrai
les enfants de Dieu qui travaillent, le vrai nom de Dieu, vrai homme de Dieu qui travaille pour Dieu, leur mission, c'est ils sont le truc de la vie. Et il doit tout ça que ça veut faire, il doit avoir leur possession sur la maison de Dieu. Alléluia. Et donc, l'aide. Mais aujourd'hui, ennemi de la croix, avec nous l'enseigner, ne peut pas continuer. Tu ne peux pas continuer. Comment tu vas appeler Dieu? Dieu qui brise, Dieu qui détruit les choses. Comment ça dit Dieu va exaucer ta prière? On doit dire nous-mêmes la vérité. Dis nous-mêmes la vérité. Quand on lit là-bas, va aller là-bas bien, lis bien. Parce que notre message, ce n'est pas seulement pour nous. Les gens partout le monde écoutent notre message. Va aller lire, nombre 18. Lis tout bien. Alléluia. Ça, si la personne ne comprend pas bien, va aller écouter notre message. Répandez dans l'attitude satanique et dit, tu vas comprendre tout là-bas. Va aller bien. Et là, il a venu maintenant dans le Deutéronome 12 avant 17, il dit, ne mange pas le dîme de ça, le dîme de ça, le dîme de ça, le dîme de ça. Bien aimé, Dieu vous dit la vérité. On prie ici et dit les choses là, les gens passent. Moi, je ne suis pas intéressé de l'être. Ça qui est intéressé, c'est votre âme, peut-être que ça sera sauvé. Il n'y a pas un homme de Dieu dans cette vie qui me dit tout ça qui sort dans cette terre. Il n'y a pas. Qui me dit la vérité là? Il n'y a pas. Ils sont tous chargés et rentrés avec le diable. En train de faire n'importe quoi, en train de conduire les enfants de Dieu à l'enfer. Ça me fait mal. Mais c'est avec ça que le ministère que Dieu m'a donné. C'est pour cela que Jésus prête de sacrifier tout pour voir que la vérité là s'en va. Et quand il va finir, que le Seigneur Jésus-Christ, il va me recevoir avec la joie. C'est ça. Il n'y a rien. On me critique, on me parle, il n'y a pas de problème. Ils ont fait ça contre notre père. Continue. Critiquez-moi. Dis tout. Rentrez. Association, réunion, tout. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait ça contre Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les gens s'accroient. C'est comme ça aussi. Alléluia. Si c'est trop, si Jésus-Christ parle que c'est trop, il peut venir me lever dans le monde là. Si le temps était déjà fini cette mission, que comme cette mission est en train de s'accueillir par tout le monde. Si il est déjà fini, il dit que ça, c'est ça que tu fais te finir. Il vient, mais il prend dans cette gloire. Le monde là, c'est sale. Méchant. La Bible nous donne même méchant. On va à l'église. Quand tu as l'église, que tu vas, tu détestes, tu haïs la parole de Dieu. Tu tues. Apôtre Paul dit la même chose que vous faites. Dans le Matthieu, dans le Acte 7, 21, 51, vous tuez tout, vous détruisez le Saint-Esprit et vous tuez le vrai prophète de Dieu, vrai enfant de Dieu, vrai sanctuaire de Dieu qui est là maintenant pour vous sauver. Vous le tuez. Ah. Et vous voulez prier maintenant que Dieu exauce la prière. Répandez, nous n'exauce pas ces gens de prière. Nous sommes méchants. Dieu n'exauce pas. Obéis la voix de Dieu. Marchez dans l'ordinance de Dieu. Ou pas détruire le droit de Dieu. Tu ne fais pas que tu cherches que Dieu t'exauce et tu détruis son ordonnance. Il dit, on va aller là-bas, de la seule nom de prière, Deutéronome 12. On va dire Deutéronome 12. Voilà. Après l'établissement de Dîmes dans le nombre 18. Bien lis, à partir des versets, lis ça jusqu'à la fin. On va voir toutes sortes de sorties. Il a fait tout complet. Alléluia. Et Abraham, qui a payé son dîme, la loi de dîme n'est pas encore établie, mais par révélation, Abraham a compris que ça là, c'est normal. On va faire ça. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, on sait qu'on veut la tout. Et Luther n'est pas la révélation des rares paroles au royaume de Dieu. Il faut avoir la révélation. C'est pour ça que, allez dans l'église, il va te dire des choses, que tu vas recevoir l'esprit de révélation pour comprendre ce que tu dois faire à le temps que tu dois faire ça, sans que quelqu'un te dise ça. Alléluia. C'est la loi de Dieu, on va voir. C'est pour ça que Dieu nous aide. Alors, il va dire que, il n'est pas l'argent, mon salaire n'est pas complet, mais il a dit quelque chose là, il dit tout ce que tu reçois. Du premier 12. 17, ok. Il a dit quoi?
tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros, et de ton menu bétail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dois pas manger le dîme, même si quelqu'un vient te donner 50 euros. Il y a le dîme dedans. Tu ne dois pas manger cette dîme. Ça appartient de Dieu. Amen. Tout, si on lit aussi à partir des versets, on va voir l'explication. Le dîme de Dieu, c'est pour garder la maison de Dieu. Importe où que nous sommes, importe où, parce que tout le monde va écouter notre message, importe où, payez ton dîme. C'est pour Dieu, c'est la loi de Dieu. L'homme 8, 18, il a expliqué ça. C'est ça qui a tout pris. Dieu exauce. Parce qu'il y a les petites choses que le Dieu a voulu lui dire, que nous, on rentre dans le péché. L'ennemi de la croix a dit de prêcher que tu ne dois pas payer le dîme. Et les gens qui ne sont pas les enfants de Dieu avaient des sous ça. Si tu es vraiment Israël de Dieu, la loi là qu'il a dit de parler de ça, il parle ça pour l'Israël de Dieu. Donc, si tu ne veux pas payer, ne paye pas. Ça veut dire que tu ne suis pas dans cette mouvement de Dieu. C'est très simple. Il ne peut pas discuter. Il ne peut pas. Mais parce que cette loi, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour les de Dieu. Il dit, tu ne peux pas manger le dîme de ça. Le dîme, c'est le mot, c'est là où on ne paie pas le dîme. Je vous dis, je n'ai pas, c'est pour cela que c'est tout le monde, c'est pour ça qu'il dit, essayez. Je n'ai pas, depuis, je n'ai pas touché. J'avais dit de parler de Malachie. Malachie, c'est le rappel. Il a rappelé ses enfants, nous les enfants de Dieu, qu'on a gâté son ordinance. Retenez-vous en moi. Alléluia. Mais cette ordonnance s'était établie ici, avec Moïse. Alléluia. Et Dieu le Père, le nom de Jésus-Christ. Il dit, ne dois pas manger. Donne-moi pour moi. Quand vous lisez ça, continuez. Après, là, il a dit, c'est maintenant que tu peux manger pour toi. Et on lit le 19. 19, il a dit, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le lait. Avant que tu vives dans ta vie, dans cette vie, n'importe où, le lévi, c'est le sacrificateur, le tribu qui travaille. Pour parler, quand tu manges chez toi, pour parler au lévi. Vous avez vu? Après, ça c'est après ton dîme. Après ton dîme, tu peux aussi donner. Après, ça c'est un de son offrande. Parce que nous avons expliqué là-bas aussi qu'il y a l'offrande. Et 17. Donc on va aller là-bas. Et descend dans le 17. Il a expliqué beaucoup d'offrandes. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Je vous dis, le premier-né là, c'est quoi? Ton premier-né, ça appartient à Dieu. C'est pour Dieu. Dédiquer cet enfant à Dieu. Amen. Donne cet enfant à Dieu. Alléluia. Cette loi s'est établie, Exode, donc Exode 13, verset 1. C'est là que cette loi aussi s'est établie. Il avait dit, mes Israélites, mes enfants, tout ce qui a ouvert le ventre, tout ce qui est la première ligne, ça m'appartient. Alléluia. Je veux dire, combien qui est en train de dire. Que Dieu nous aide, il y a beaucoup de choses qu'on a de faire, que Dieu. Ou que Dieu l'aide, sinon le diable il va arriver. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, dit enfin c'est grandi. Il est maintenant, il dit c'est grandi maintenant. Alléluia. Parce que je te fais petit avant. Mais quand il a vu maintenant que le diable, Dieu il veut que les gens ne peuvent pas même échapper là-bas, il a grandi ça. Ce donc ça prend beaucoup déjà, beaucoup. Et Dieu l'aide. Et Dieu nous fait une sortie dans cette chose au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute désobéissance à toi, fille. Tu ne peux pas dire que ça ne suffit pas. Attends que tu dis que ça ne suffit pas, tu marches pour Dieu, ça ne peut pas suffire jamais. Donc là-bas, lui-même, il y a encore des choses. Il a dit à l'offrande, no any of the vow, wisdom, vows. Si tu fais un vœu, il y a le vœu dans le Seigneur. On fait le V, entre toi-même avec Dieu. Non, la free will offering. L'offrande volontaire. Il y a l'offrande volontaire. Ça que nous, on a mis dedans, offrande volontaire. Il dit,
heavy offering of their hand. Il y a l'offrande, vous dit, offrande, c'est l'offrande qui est, on met la main dans la jambe, on donne chose, on prend, on ne regarde pas, on donne. Alléluia. Cette offrande encore, c'est l'offrande qui est, peut-être, Dieu, mais l'argent n'est pas de faire quelque chose, mais quelque chose est arrivé, où Dieu m'a parlé de faire quelque chose dans l'église, dans cet argent dans l'église, je prends ça, sans regarder. Donc, c'est cette offrande. Alléluia. Mais on ne fait pas tout ça. Tout ça là aussi, c'est dîme. Tu vas aussi payer. Dîme, c'est la loi. Loi obligatoire. Il a dit, on lit là-bas, il a dit, c'est perpétuel. Perpétuel. Ça veut dire que c'est irrévocable. Irrévocable. Il n'y a pas de modification. Donc, quel genre de l'homme de Dieu qui a dit de modifier la loi de dîme aujourd'hui? Quel genre qu'il y a payé, qu'il y a donné cette option pour toucher la loi que Dieu dit, c'est perpétuel. Que Dieu aide dans le Jésus-Christ. C'est pour cela que ce soir, on va élever. Alléluia. On va élever. Pour appeler Dieu. Dieu qui fait des choses impossibles, qui possible, bien possible. On va les appeler ce soir. Mais on va prier, on va demander au Seigneur que Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, je suis ici. On ne sait pas là pour jouer. Nous tous on est là à croissance. Comment on a quand même on a vu beaucoup de gens, beaucoup. Notamment qu'on a rentré, on nous a appelé le pasteur et le ministère. C'était faux. C'est ça qui a changé le docteur de la guerre. Donc il y a plein pasteurs et ministères comme ça ici en France. Oh, non, on va faire le programme. Le programme là, il n'est pas, il dit c'est Island, c'est ça, comment non? Ilan, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ilan, il dit c'est là-bas. Anilan, il dit c'est là-bas qu'il a déjà fait ça partout en Europe. Il n'est pas encore. C'est la première place, le premier pays qu'il a fait ça en Europe. Donc France sera le deuxième. Vous faire un programme spécial pour vous renseigner tous les pasteurs. Et spécial, la fin des choses que les gens ne connaissent pas. Les femmes ne connaissent pas. Beaucoup de choses. Mais ils sont dans le ministère. Ils sont dans le ministère. C'est pour ça que vous voyez les femmes. Habiller un pasteur. Habiller un pasteur et un FM. On ne peut pas jamais voir ça dans un autre pays. Donc, n'est-ce pas, dans le Nigeria. Un pasteur avec Mané Wata. Un ministère. Protocole. Avec faux hommes. Avec ça. Non. Terrible. Il a dit, en France ici, vous savez, vous ne connaissez pas que votre pays, c'est très terrible. Le diable, les corps de Dieu. Vous devez connaître. C'est pour cela que les gens qui sont chrétiens, très méchants, facile pour détruire les frères et les sœurs, facile pour détruire l'église, facile pour l'église qui dit la vérité. Parce qu'on a dit de dire la vérité, c'est pour cela que vous nous avez dit d'attaquer. Si nous sommes comme les autres, alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. On doit répandre, on doit changer. Le loin de Dieu, c'est pas comme ça, c'est pas comme le message douce là. Non. Tous qui sont des enfants de Dieu, la Bible là, la loi que Dieu a établie là-bas, c'est pour Israël de Dieu. Tout Israël de Dieu. Donc, si tu discutes, ça veut dire que tu n'es pas Israël de Dieu. Donc, cette branche, il y a explication, on fait tout expliquer. Dans notre YouTube, on a quand même 80 plus messages là-bas maintenant. Tu tapes le mot, tu rentres sur YouTube, tu tapes MFM2, le message sort. Il y a le message. Il y a le message que moi, de l'écouter, ça me choquait. Donc tout ce message. Mais pourquoi moi, tout ça, en train de faire n'importe quoi? Pourquoi les gens qui écoutent ce message en train de faire n'importe quoi? Pourquoi ces gens en train de soutenir le pasteur et parlent mal au pasteur? Les choses que je n'ai jamais vues, c'est dans cette vie que Dieu dit ça. Les choses que je n'ai jamais vues, depuis que j'ai marché, j'ai fait l'homme de Dieu là avec le pasteur, même tous les faux pasteurs même, je n'ai jamais vu ça et j'ai envie de mieux voir ici. Fais le pasteur, plaît, mets ta genou, les
gens ne savent pas prier. Ce danger, c'est autre chose qui bloque notre prière. Quand le pasteur met un jeune homme de pleurer à cause des insultes, à cause des choses qu'ils sont faites. Même s'il n'est pas, il n'est pas prié mal contre la personne, mais il a fait des appels de Dieu, tu es où? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, devait laisser le travail là. Il ne sait pas que Dieu l'a fâché contre la personne. La personne va prier. Même la pasteur prie pour la personne. Je veux que la personne, la prière a fait, ça va devenir maladissante. Ça, le pasteur n'est pas rien Dieu. Il a fait de prier, de bon prier. Mais Dieu lui-même l'a déjà fâché. On a dit de marcher dans le maladissant. Dieu, je veux dire, tous les gens qui avaient dans cette église, c'est Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi-même qui l'a conduit, tu l'as amené pour recevoir la vérité, pour garantir leur vie, pour charger. Mais quand ils sont refusés, laisse-les. Tout le message qu'ils ont reçu là, le jour-là, ils vont voir ça. Ça va sortir comme une vidéo. Divan l'air comme ça. Le tâche là, le jour-là, l'air là, tu es tenu dans l'église qui appelle MFM. Pasteur qui est même là-bas, c'est mon fils. Est-ce qu'il te dit la vérité ou non? Tu n'es pas entendu les choses là. Pourquoi tu n'es pas obéi? Mais donne le nom de Jésus-Christ. Il donne le fantôme de Jésus-Christ. On va aller l'autre fois, on va demander le Seigneur. Priez, demander le Seigneur. Où est là? Ok, je ne suis pas ok. Voilà, on a déjà fait beaucoup de choses. Dis, c'est pas pour le pasteur. Alléluia. C'est un tasse que tu as mis contre les enfants de Dieu. Il dit, mais les enfants d'Israël. Et il a dit aussi, l'Israël, il ne doit pas toucher là-bas. C'est Lévi, le tribu de Lévi que Dieu met dans cette place, le sacrificateur, qui doit garder ma maison. Garde tout. C'est avec cela qu'il va utiliser pour préserver, pour voir que les familles de Suisse avancent. La maison de Dieu avance. Comment on va prier que Dieu va être sur notre prière? Comment on va appeler Dieu des possibilités? Il descend. Comment on va appeler Dieu? Attends que quand Dieu a de souffrir, la maison de Dieu a de souffrir. Alléluia. On a dit de calculer, c'est le pasteur qui mange. Il mange quoi? Normalement, je vous dis dans ce message, le pasteur chez moi, depuis que je connais des sous-petits gravis comme ça, le pasteur ne travaille pas. Jamais tu ne dois pas travailler. Parce que Dieu l'a dit là-bas, c'est tout, c'est écrit dans nombre 8. Il ne doit pas travailler. Il dit, Dieu dit, n'est pas une possession. Il n'a rien de possession. Ma maison, c'est déjà son possession. Pour garder ma maison, pour voir que ma maison s'avance. Donc, vous devez apporter tout votre dîme et mettre ça dans ma maison. Et lui aussi, il va prendre aussi dans le dîme là, et dîme de dîme. Quand les gens n'ont pas payé le dîme, comment le pasteur va prendre maintenant payer le dîme de dîme? Les gens ne savent pas comment Dieu attaque, et Dieu lui-même attaque les gens. Quand tu n'es pas apporté ton tête, comment le pasteur aussi va prendre dîme? Donc, il faut que tu dis dîme de dîme. C'est donc le dîme de Dieu avec lui, et tu vas prendre aussi. Payer, dit. Alléluia. Alléluia, dit, on prie, donne les autres parlements de prière. Comment il va recevoir ta prière? Tu manges ça qui partait. Lui dit, ne mange pas ce qui me partait. Ne mange pas. Donne-moi ce qui me partait. Après, quand vous lisez là-bas, il dit, après, là, c'est ça que tu vas manger pour toi. Il bloque, il y a des choses qui bloquent. On doit clarifier les choses. Clarifier. C'est la parole de Dieu. Je vous dis, la dernière fois, c'est moi qui ai écrit ça, c'est le docteur Lucoya. Tout ça qu'on a dit, c'est la Bible. On a demandé ça. Je remercie Dieu. Et tout, on trouve ça dans le YouTube. Pour bien vérifier encore ça que Dieu dit. S'il y a le mensonge dedans. Alléluia. Que Dieu le fortifie. Demandez au Seigneur, on va dans la prière. Dieu ne change pas. Sa miséricorde dans notre vie. Là où que Dieu fait n'importe quoi. Même si Dieu est parlé, il a dit. Tu es ça qui est en train de semer. Si tu semes les mauvaises choses, si tu es en train de faire les mauvaises choses, il dit, sors du nord, parce que personne ne peut pas compter Dieu. Dieu, il voit tout. Ce qui est secret, ce qui est beau, il voit tout. C'est pour cela que notre problème ne peut pas nous laisser. Parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas obéir Dieu. Obéir Dieu, les enfants de Dieu. Israël de Dieu, obéir Dieu. L'appel que Dieu nous a appelé là.
là. Il a vu beaucoup de gens. Il n'est pas appelé les gens. Il a vu nous seulement choisir. Des fois, c'est dans notre famille. Il y a beaucoup de gens dans notre famille. Mais il a appelé seulement, parle une seule personne. Il te prie parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu rentres dans l'enfer. Il ne veut pas que tu perdes ta vie. Pourquoi on ne voulait pas lui accrocher? Pourquoi on ne voulait pas accrocher au Seigneur? Il nous aimait. La loi de Dieu, c'est la loi pour les Israélites de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Dans cette église, dans cette branche, on a voulu expliquer en détail. Il n'y a rien caché. On ne va pas discuter. Pour recevoir ta délivrance, pour être bien dans le Seigneur, pour détruire et briser la tête du diable, on doit marcher la beauté. On ne doit pas faire n'importe quoi en train de tromper les gens. On n'est pas là pour tromper les gens. On n'est pas là pour tromper les gens. La Bible dit, après quoi il a dit, on ne suit pas comme les autres qui renversent la Bible, qui changent la Bible, en train de prêcher n'importe quoi, Non, on ne suit pas comme les gens là. Nous sommes là, Dieu nous a envoyés pour aller chercher tous ces enfants qui sont perdus dans le feu église, qui sont perdus dans le feu pasteur, qui sont perdus dans la mer de feu apôtre, faux prophète, faux disciple. C'est ça que Dieu nous a envoyés pour aller faire. Va aller appeler mes enfants, que mes enfants sortent dans cette colonie. Prépare les vies pour l'enlèvement. Comme ça, quand on m'appelle, je viens de descendre avec le fait. Fais les choses impossibles dans l'ennemi. Les choses difficiles. Que tu fais ça dans l'ennemi. Appelle Dieu. Appelle Dieu, le Dieu des possibilités. Il est là. Attends qu'on a la vie. Il y a encore la possibilité pour réarranger notre vie. Pour réarranger notre vie maintenant. Pour lui dire, oh Père, aie pitié de moi. Rappelle. Car les enfants de Dieu, les seigneurs de Dieu, ils sont à l'Égypte. L'Égypte, il a pris la loi de Dieu. La loi de Dieu dans les vies. Il a contaminé tout. C'est pour cela que Dieu l'a dit. Maintenant, à partir de la Pâque sur Jésus-Christ, à partir de la crucifixion de Jésus-Christ, à partir de la crucifixion de Jésus-Christ, je vais vous donner, ma loi sera purifiée, je vais vous donner la loi purifiée, vous ne pouvez pas manger encore la loi que vous mangez dans l'Égypte, la loi qu'Égypte a pollue, la pollution de l'Égypte, la pollution de monde, la Bible dit dans Genèse 26, le monde, les Philistins, ils ont pris la terre, ils sont fermés, le but d'Abraham, alors d'Abraham a construit, a arrangé avant de mourir. Mais la Bible dit, il cercle, il commence à chercher, il a trouvé le but, il commence à dégager la terre, la terre c'est Égypte, dégager l'Égypte dans ta vie, un enfant de Dieu. Nous les enfants de Dieu, dégagez l'Égypte dans ta vie. Personne ne rentre pas dans le royaume de Dieu avec l'Égypte. Il ne rentre pas jamais. Égypte c'est la contamination. La voix que tu attends là, il y a la voix, la Bible dit, Jésus-Christ dit, tout ça qui me partait, tous mes enfants, tous les oreilles de Dieu, il dit, ils sont appelés à la voix, il y a ma voix qu'ils sont appelés à attendre. Mais la voix étrangère ne peut pas attendre cette voix. Il ne peut pas écouter la voix étrangère. Quelle voix que nous tous sommes appelés à écouter. Quelle voix. Il n'y a pas la fête des amis dans le chemin de Jésus-Christ. La fête de mon ami, et mon ami m'a dit ça, et mon copain m'a dit ça, et dans cette église, il fait comme ça, mais il reçoit aussi le miracle. Ah, rappelle que le diable, c'est le champion du miracle. Champion des miracles, c'est le diable. Champion des prédicateurs, c'est le diable. Champion de toutes choses, c'est le diable. Mais la prière, il n'y arrive pas. La prière qui disgrace, la prière qui rend de profondeur, la prière qui disgrace. C'est pour cela que beaucoup d'églises ne voient pas jamais appel à Dieu qu'ils sont pris, ils sont en train de prier contre le diable. Ils ne voient pas un enfant de Dieu qui ne prie pas contre le diable. Regarde-toi-même bien. Tu es diable, venu diable toi-même. Tu es antichrist. Tu es antichrist, c'est pour ça que tu ne peux pas parler de diable. C'est pour ça que tu n'as pas prié contre
le fort du rêve. La loi de la Bible vous a dit, vous combattre, ce n'est pas la chair que vous combattez contre, mais vous combattez contre principauté, force du ténèbre, par pouvoir qui contrôle ce monde. Et maintenant, ton église dit qu'elle ne prie pas contre cette chose. Ton pasteur dit qu'elle ne prie pas contre cette chose. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui passe dans cette église. Il y a quelque chose qui passe dans cette église. Cette église, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce n'est pas l'église de Dieu. Cet homme de Dieu est l'amour. Il est l'amour. Ce n'est pas un homme de Dieu. Dieu nous a donné l'autorité. Tous les enfants de Dieu nous avons l'autorité. Autorité pour marcher sous le serpent de scorpion, pour marcher sous le diable, pour marcher sous ton problème. Mais ton pasteur dit, tu ne dois pas appeler tout cette chose. Parce que Jésus a déjà fait tout pour toi. Il a déjà fait tout pour toi. Qui t'a dit ça? S'il a déjà fait tout pour toi, il ne peut pas te donner la puissance. Il ne peut pas te donner sa puissance. Il ne peut pas te laisser la puissance là et partir. Il ne peut pas. Il va partir avec tout. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Libère-nous. Dans tout le rêve. Disobéissance. Rébellion contre Dieu. Rébellion contre la parole de Dieu. Disobéissance contre la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Libère-nous. Libère-nous l'église, Seigneur Jésus. Dis ça ce soir. Viens combattre pour nous. Aie pitié. Demandez au Seigneur Jésus. Viens prendre contrôle de ma vie. Demandez la miséricorde de Dieu. La Bible dit, celui qui cache son péché, il y va mourir. Mais celui qui confesse son péché, il dit de lui pardonner. Confesse son péché, ne retourne pas dedans. Il dit, ne retourne pas dedans. Que Dieu ne peut pas nous abandonner. Si tu restes dedans, Dieu y abandonne tout ce qui va dans le péché. Mais il va appeler le nom de Jésus aussi. La Bible nous a fait comprendre. Dès Corinthiens 11, il y a le faux Jésus, il y a le faux Esprit, il y a le faux Évangile. Mais dis-moi, qu'est-ce que parmi les deux, qu'est-ce que tu crois? Tu crois le faux Évangile, ou tu crois le faux Jésus, ou tu crois le faux Esprit? Mais tu te dis, tout le monde va dire, de quoi? De l'Esprit original. Mais si tu crois l'Esprit original, montre-moi ton comportement. Où est ton attitude? Est-ce que son attitude correspond avec la Bible? Toute la vérité qui vient de la Bible, tu refuses de l'idée. Et tu dis tout ça, de souffrir. Et tu dis tout l'histoire de miracle. Tu ne sais pas, mais il y a le fort de souffrir. Il y a le fort de souffrir. Le diable lui-même, la Bible dit, le diable lui-même se transformait. Comme un âge dans le même. Il va transformer comme Jésus. Mais c'est le faux Jésus. Il va venir te dire des choses. Il va venir te dire ne payez pas. Pour pas obéir. Mais c'est le faux Jésus. Mais le faux Jésus. Tout le message contre la Bible, c'est ennemi de la croix de Jésus-Christ. Tous les messages qui s'élèvent contre le message de l'évangile, le message de Jésus, le message ne fait rien. On doit échapper. Oh, Seigneur Jésus, la Bible nous a demandé quel livre va nous profiter quoi? Il va profiter quoi, nous tous? Il va nous profiter quoi? On gagne tout le monde. On revient le plus riche dans le monde. On revient ça dans le monde. On revient très populaire dans le monde. Mais il dit, on perd notre âme. Pourquoi les enfants de Dieu veulent perdre les âmes? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on veut perdre notre âme? Pourquoi on veut aller avancer à cause des choses qui n'ont rien? Dieu nous a dit, laisse les choses là. J'ai préparé beaucoup de belles choses pour vous au royaume. J'ai préparé de bonnes choses. Plus par les choses que Dieu a préparées pour vous. Le Dieu n'est pas vu. Les gens qui veulent la vision n'est pas encore voir ça. Laissez-moi montrer un peu. Les choses que Dieu a préparées pour vous. C'est trop. Je ne peux pas m'expliquer. Laissez-vous le monde. Laissez-vous l'affaire du monde. L'affaire du monde est contaminée. Le diable n'est pas pour contrôler l'affaire du monde. Mais nous, on dit non. On
dit non, enlevez pas, mais on venait prier, on venait appeler ce Dieu, que ce Dieu nous exauce. Comment il va nous exaucer? C'est le diable qui va exaucer la prière, c'est le diable, c'est pour cela que attaque ne s'arrête pas, attaque ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de payer la voix de Dieu, on a refusé de marcher dans l'alliance de Dieu, on a refusé pour être comme les Israélites de Dieu. Israël de Dieu, il y a la loi qui garde tous les Israélites de Dieu. Demandez au Seigneur que le Seigneur ait pitié de nous. Ait pitié de nous. Seigneur, viens prendre contrôle. Viens glorifier ton nom. Manifeste la puissance dans ton église. Manifeste la puissance dans l'élève tout. Viens rêver dans l'élève tout. Au nom puissant de Dieu, sois prière. Brisé. Plantez son maillot et dans ma vie. Brisé. Et c'est ça que la Bible dit. Il dit, je suis vivé et la chair ne veut pas. Parce que la chair est sur le monde. Et tout ce qu'on a dit dans le royaume de Dieu doit crucifier la chair. Amen. Il y a le combat. C'est pour cela qu'on ne peut pas laisser. La chair. Oh Dieu mon Père. Tout démon. Qui a possédé ma chair. Tu es sacrement,
Peace, 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 peace,
Merci Seigneur Jésus. On va aller voir quelque chose vite. Prends ma prière là-bas. Dans le livre de Genèse 35. Genèse 35. Par le verset 1. Genèse 35, à partir du verset 1. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est qui? Jacob, c'est Israël. Alléluia. Ça, c'est après qu'il a fait le combat là, il a, son nom est déjà changé. Mais sinon, Jacob. Mais son vrai nom, c'est Israël. Alléluia. De là, il a changé, c'est Jacob. Il s'appelle maintenant Israël. Continue. Il a dit, prépare-vous et monte à Bethel. Et demeure-ci. Et Bethel, aujourd'hui, Bethel, c'est notre là où il y a la vérité. Bethel, c'est la Bible. Alléluia. Bethel, aujourd'hui, c'est la Bible. Retournez-toi à Bethel. Parce que c'est Bethel là où il a trouvé le vrai Dieu. Avant de continuer son voyage. Alléluia. Donc maintenant, quand il a fini de faire le bêtise, fini. Il voulait maintenant, il cherche maintenant là où trouver le vrai Dieu. Dieu l'a dit, retenez-vous et Jacob, prends ton bagage, ta famille, retenez-vous à Bethel. Parce que c'est Bethel que tu m'avais trouvé et tu as fait alliance avec moi. Retenez là-bas et continue là. Tu dresseras un autel au Dieu. Tu vas arranger l'autel pour moi. Il t'a parlé. Lorsque tu fuyais, et ce, ton frère, Esaü, ton frère. Continue, Esaü. Ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Et de quoi? Et de quoi? Il a dit sa maison et tout. Jacob, c'est Esaü. Ça, c'est le message pour nous tous. Tu voulais aller dans là où il y a Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Enlevez-vous tout, Dieu de tranchée. Continue. Hein. Il dit, enlevez-vous quoi? Il a dit ôtez tous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. La purification, c'est la sanctification. Purifiez-vous. Parce que maintenant, on veut maintenant aller. Donc, devant le Dieu vivant. Alléluia. Continue. Échanger de vêtements. Échanger de vêtements. Quand on dit déjà, le pantalon, c'est où? Et la Bible dit, le pantalon, quand il s'agit de chercher la chose, pour justifier l'erreur. Changez-vous les vêtements. Ça veut dire que si Genèse, au commencement de toutes les choses, il peut reconnaître qu'il y a les vêtements que Dieu ne met pas. Pourquoi tu discutes? Tu marches nu, tu dis, mais ça n'est plus écrit dans la Bible. Changez-vous le vêtement. Avec les vêtements qui sont provocatifs. Et toi, un enfant de Dieu ne doit pas mettre. Tu dois changer ça. Et le vêtement qui te fait revenir est prostitute. Tu ne dois pas mettre ça. Et le vêtement, tu dis, tu es pasteur, pasteur femme. Regarde ça, comment tu es habillé. La loi de Dieu, Dieu, c'est Dieu qui parle là-bas. Et Jacob, si tu es vraiment un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es Israël de Dieu. Jacob, c'est celui d'Israël. C'est lui qui a reçu cette alliance. Alliance qui nous a confirmé d'Israël. Choisi. Israël, ça signifie choisi, nominé, mettre à part, séparé de Dieu. Aïe. Et Dieu est le Jésus-Christ. Continue. Nous nous leverons
et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux. Jacob. Ça levait tout. Et ça levait les mêmes voix. Ça, c'est là que l'alliance qui nous a attiré met dans le discours. Mais dans le discours, que tu as fait de ton pasteur, tu as fait de renseigner le faux message. Voilà les gens qui ont fait cette alliance. Si c'est ton pasteur, tu vas dire que le jour là. Ton pasteur qui a fait de modifier. Il renseigne les gens et après il parle des choses. Si tu lis, si tout le monde connaît ton pasteur là-même, un agent satanique que tu appelles ton pasteur, vous tous allez aller brûler à l'enfer. Voilà les gens qui ont fait l'alliance, c'est nous tous maintenant aujourd'hui, nous sommes en train de détruire, en train de faire comme nous sommes. Voilà les gens qui ont fait ça. Il n'est pas gâté et détruit l'alliance de Dieu. Et donc, aide au nom de Jésus-Christ. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Parce qu'il n'y a pas le message. Le message est tous. Quand on dit ça ainsi, ils combattent contre nous. Nous insultent. Ils prennent notre nom, on te gâté et on te détruit. Détruit. Continue. Tu vas recevoir ta récompense. La Bible dit ça. Il dit tout ça que tu as semé. Tous, on a des semaines et bien on va recevoir des récompenses parce que personne ne manque pas de Dieu. Tout ça qu'on a de faire, la récompense nous attend. Continue. Ok, continue. Bon. Là tu vois, ils ont pris tout. Jacob s'enfuit sous le térébite qui est près de Shishem. Ok. Ensuite, ils partirent. Ils sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé? La terreur de Dieu s'est répandue sur la ville qui les entourait. Vous l'avez vu, non? La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, il a couvert. Et continue. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Personne. Vous l'avez vu, non? Nous sommes les fils de Jacob. Nous sommes les enfants de Israël, les fils de Jacob. Alléluia. Ils sont dégagés toutes ces choses-là, ils sont rentrés dans leur voyage et dans leur prière, comme on a dit les prières, rien, le diable, le démon ne peut pas nous toucher parce qu'on n'est pas rien. Il y a parti avec quelqu'un qui sont avec nous. Et on dit, on a dit prier, on ne peut pas obéir Dieu. Parce que le pasteur qui fait cette délivrance avec tous ces mamies, on a continué. Comment elle vit avec la personne, il fait comment il est. Dégage, obéis Dieu. La loi de Dieu s'est établie depuis jeunesse. Parle de Dieu, ce qu'il a fait tout. Il a fait quoi? Est-ce que tu dis, Jésus vient de faire quoi? Accomplir toute la loi des prophètes et mon père. Il n'a pas dit, Jésus vient de tout ce qui est là, jusqu'à à la fin. C'est ça que Dieu a appelé. Jésus a venu vers le capot. Correct. Et notre pasteur dit, c'est faux, c'est pas correct. Continue. Mets un peu seulement. Non, un peu là. Et pas toi, est-ce un peu là? Mais. Alléluia. Il n'y a pas un peu dans le péché. Il n'y a pas un peu. Tous les péchés sont le péché. La même chose. Un peu que tu as mis là, avec celui qui a tué quelqu'un, c'est bien que tu dois aller tuer quelqu'un et être riche. Parce que vous êtes dans la même classe dans le Seigneur. C'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Un peu de boucle sous l'oreille. Un peu de boucle sous l'oreille. C'est la même chose. Le parabole chez nous, ils sont dit un parabole chez nous. Caca, c'est caca. Même si c'est un peu, même si c'est creux. Caca, c'est caca. Ça sent la même chose. Alléluia. C'est pas ça. Caca, c'est caca. Il n'y a pas parce que c'est petit. C'est la même chose. Si tu vas faire le caca, si quelqu'un qui est 90 ans de faire le caca, ça sent la même chose. Toujours le même chose, toujours la même chose quand même. Allez, il n'y a pas ceux qui sentent bien. Tout, c'est la même chose. Péché, c'est péché. Il va nous saigner.
Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. On va lever notre voix, on va prier. On va appeler Dieu. On va appeler Dieu. Qui sont les, c'est la chair. Le docteur dit, c'est la chair. Il dit, ça veut dire que les gens n'avaient pas encore crucifié la chair. C'est la chair. On a le combat à faire contre notre chair. La chair. Arrêtez! Celui qui va rentrer dans le royaume de Dieu, qui va rentrer dans le. Arrêtez les amis là, laisse les amis là, laisse les amis. Dieu a fait beaucoup les amis, mais le jour que Dieu, et ce gars est dans ma vie là, vous voyez, les amis là, partir. Si tu étais là, je ne veux pas, laisse-moi tranquille, parce que le chemin là, c'est individuel. C'est personnel. Alléluia. C'est personnel. Sont dans la domination. Les gens vont le détester. Ils détestent. Il déteste, mais si la vérité de Dieu a déjà mis dans ma vie, il ne peut pas changer ça. Parce que si je change ça, c'est à l'enfer. Oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Tout le monde! Tout est bon! Tout est bon! Tout est bon! Qui travaille dans ma vie! Qui travaille dans ma vie! À moi de ma sœur! Avec ma chair. Alliance de l'air de cour. 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 Alliance de l'air de deux yeux. Avec ma chair. Avec ma chair. Avec ma chair. Avec ma chair. À partir de maintenant.
cette alliance, détruit par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. On va attaquer Gatan et voir les mamans de quelqu'un qui là. C'est elle qui derrière toutes choses. Amen. Toutes choses. On va aller pour tout voir. Tout voir cette femme, cette jeune femme. Et voir assez. Dans la famille, assez. Le diamant, assez. Parce que de voir, c'est pas vivant. Mais cette voix, il crie encore parce que cette alliance est déjà faite. Alléluia. C'est cette alliance qui prouve la personne. Qui prouve. On va aller dans notre voix, on va prier. Toute voix de ténèbres. Toute voix de ténèbres. Toute voix satanique. Toute voix satanique. Il m'appelle. Depuis ma fondation. Pour détruire ma vie. Merci Seigneur Jésus. Cadeau. Tu m'as lié avec le ténèbres. Cadeau. Tu m'as lié avec les idoles.
Avalé,
pouvoir. Tout pouvoir. Qui a dit dans 7 mois. Qui a dit dans 7 mois. Dans 7 mois. Dans 7 mois. Et je vais pleurer. Quand je vais pleurer. Je retourne cette larme à toi-même. Je retourne ces larmes à toi-même. 7 fois. 7 fois. Toute mon exploitation commence à localiser moi maintenant. Mon exploitation. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de août 2018. Tout ce que nous avons fait afin de nous faire des années, commence à demander. Que tout nous localise moi. Toutes mes expectations. Toutes mes attentes. Tout ce que j'attends, toutes mes expectations, de bonnes nouvelles, parce que c'est le moins de régénérer, le moins de recommencer, le moins de ressusciter. Oh Seigneur Jésus, la guérison, la délivrance, la joie, la victoire, toutes les bonnes choses que tu as déposées, tu as préparées pour moi, Seigneur Jésus, je récupère, que tu redescends dans ma vie, que tu rends dans ma vie le pouvoir qui apporte de bonnes choses, qui apporte le témoignage, qui apporte le miracle, qui apporte la joie, le pouvoir qui combat contre la joie dans ma famille, dans ma vie, qui vient n'importe où, tu ne peux pas me trouver dans cette mort. Je partage notre vie avec le sang de Jésus. Je partage tout ce qui nous concerne avec le sang de Jésus. Que le Seigneur règne. Que le Seigneur prend contre de notre vie. Que le Seigneur déclare la bonne santé dans le sang de Jésus. La bonne santé. Seigneur Jésus, avec ta miséricorde, écoutez-nous. Que tout le monde est là. Seigneur, pardonne tout, Seigneur Jésus. Purifiez-nous avec ton sang. Aie pitié, Seigneur Jésus. Merci Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Père. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Seigneur, je déclare sur notre vie, Seigneur Jésus, je partage tout ce qu'on a déclaré ce soir. Et je déclare que tout pouvoir qui va essayer d'élever n'importe où pour combattre contre nous encore, Seigneur Jésus, Seigneur, que tout ce pouvoir soit avalé par ton feu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare que tout pouvoir qui nous poursuit depuis la maison de notre Père. La maison de notre Père, dans notre vie de naissance, dans cette vie, toute la réunion de ce soleil, toute la réunion du ténèbre contre nous, qui paralyse les activités par la puissance de l'Esprit Jésus, qui paralyse les programmes contre nous au nom de Jésus, les activités contre MFM tout, qui paralyse nous au nom de Jésus. C'est dans l'église, avance dans l'église, dans la vérité, Seigneur Jésus. Et on continue de marcher et vivre dans ta parole. Tu es Dieu et tu ne cherches pas. Couvre-nous avec le sang de Jésus. Que tout ce qu'on a détruit aujourd'hui reste permanent par la puissance de sang de Jésus. Que notre chair soit libérée. Que l'activité des démons avec notre chair, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé dans le Jésus. Je détruis cette activité et je ordonne tous les démons qui vivent dans notre chair. Sors par le feu. Que le sang de Jésus nettoie notre chair, à partir de notre sourire, du sang du pied. Que le Seigneur prenne contrôle. Que le Seigneur continue avec nous, Seigneur Jésus. Pouvoir qui va essayer de venir de notre rêve, pour contaminer notre rêve, pour nous attaquer, ou attaquer les enfants, à travers le rêve. Que le feu de Dieu localise tous ses pouvoirs. Il est conjoint par le feu. Et l'homme puissant de Dieu va prier. Seigneur, guide-nous, protège-nous. Qu'on continue de marcher dans l'obéissance de la loi que tu as donnée à tes enfants. Que nous, on marche et fait aussi comme tes enfants. Parce que tout ça qui te partir obéit ta voix.
obéir ton ordonnance. Au Seigneur, aide-nous pour marcher et vivre notre ordonnance. Parce que la Bible nous a fait comprendre. Il nous a fait comprendre dans le livre de Proverbes 3:30. Il dit la beauté c'est vert. C'est le vert. Il y a rien dans la beauté. La beauté que les femmes cherchent toujours. La Bible dit, c'est zéro. Il y a rien dedans. Reste-toi comme l'image de Dieu. Tous. Il marche de Dieu. Que le Seigneur fortifie. Seigneur, prends contrôle. Couvre-nous. Que ta puissance descende sous notre prière. Que toute force de ténèbres qui va essayer de combattre comme des anges qui a pu apporter notre délivrance, notre miracle. Que tout ce pouvoir soit conjugué par ton feu. Au nom du sang de Jésus, nous avons prié. Au nom du sang de Jésus, nous avons prié. Au nom du sang de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.